Alors à peu près. Moi j'en ai 6 quoi. Tu fais 3 fois. À peu près quoi ? 6. C'est bon ? Ouais. Là 6 et 6, jusqu'à 6 inclus, c'est bon. Oui, c'est ça. La question numéro 3, dans quelle section minimale est nécessaire pour une amenée d'air et une sortie d'air directe en provenance d'un appareil de cuisson et d'une chaudière venteuse ? C'est la réponse C, c'est 100 cm² dans tous les cas. La numéro 4, l'évacuation des produits de combustion de la maison peut être assurée par un tout avec une chaudière rurale fonctionnant à l'étage naturel situé à plus d'un mètre 80 du sol. Donc la réponse était la réponse B, oui, quelque soit l'emplacement de l'amenée d'air. Question 5, l'installation d'une chaudière à étage naturel dans la même pièce qu'une hotte motorisée raccordée à l'extérieur ou sur un conduit est interdite, réponse A, pour la numéro 5. La question numéro 6, comment doit être réalisée l'amenée d'air dans un local contenant uniquement une table de cuisson si la sortie d'air s'effectue au travers de la paroi? C'est la réponse B, c'est maximum à 30 cm du sol. Maximum, la numéro 7, une sortie d'air dans une cuisine pour un appareil de cuisson seul se fait au travers d'une paroi extérieure. L'amenée d'air doit s'effectuer donc par une amenée d'air. J'ai trouvé ce stage très enrichissant, ça nous a appris beaucoup de choses. Au niveau des normes, c'est vrai qu'on ne pensait pas qu'il y avait tout ça quand même, c'est quand même compliqué, mais c'est intéressant. Ça vous fait peur ? Non, pas si, parce que c'est un petit peu, parce que enfin, on peut vite avoir des litiges ou des problèmes. Quoi. Avec le gaz, c'est quand même une énergie qui est quand même dangereuse. Faire attention. Moi j'ai bien aimé, ça m'a appris beaucoup de choses. Avec le livret et tout, en plus on repart avec un petit cahier qui nous donne toutes les normes à retenir et sur les chantiers, ça va bien nous être utile. La question numéro 3, dans quelle section minimale est nécessaire pour une amenée d'air et une sortie d'air directe en provenance d'un appareil de cuisson et d'une chaudière venteuse ? C'est la réponse C, c'est 100 cm² dans tous les cas. La numéro 4, l'évacuation des produits de combustion d'une table de cuisson peut-elle être assurée par